Hé, hey mec! Qu'est-ce que tu fais? Salut! Lisa Strobel, de l'entreprise d'entretien. Joe, comme... Hey, vous faites quoi, là, sur mon bateau? Ben, je passe un vernis. J'avais dit ternir. Je voulais ternir les barres de cuivre. Effectivement, c'est un thé. Tenez. On peut pas entrer. Quoi? Eh ben, voilà, j'ai fait la cabine aussi. C'était pas du luxe. Et faut attendre combien de temps pour que ça sèche? Faut bien 48 heures. Quoi? 2 jours entiers? Et où je vais dormir, moi, maintenant? Bon, d'accord. Vous vivez sur ce bateau? Ouais. J'ai une idée. Je vous fais une place sur le mien pour m'excuser. Non, laissez. Non, c'est pas grave. Alors, je vous dois un dîner. Qu'est-ce que vous aimez le mieux? Poulet ou poisson? Quoi? Qu'est-ce que vous préférez? Poulet ou poisson? J'aime mieux le poulet, mais... Ok, du poulet, alors. Il est quoi, 2 heures? Moi, on pourrait dîner à 6, à moins que vous préfériez 7 heures. Mais c'est que je dois aller m'entraîner, maintenant. Ouais. Alors, 7 heures? Je suis à Marée au quai 36D. Vous verrez, vous adorerez ma cuisine. D'accord. Tout est arrangé, M. Brock. L'hôtel est fermé pour une semaine, comme vous le vouliez. Parfait, Armin. Merci pour tout. Je vais essayer de passer de bonnes vacances. C'est vrai. Flathead, j'ai enfin réussi. Mon pesticide ne laisse aucun résidu, aucune trace. Félicitations, Doc. Parfait timing. Je vous apporte un cobaye. Vous voulez que je teste le ZB12 sur cet innocent animal? Ce sont les ordres, Doc. Les ordres. Et moi, j'ai ma morale, figurez-vous. Emmenez-moi voir Monsieur Glock, tout de suite. Ayez confiance, général, vous aurez votre marchandise en temps et en heure. Je le souhaite, monsieur Glock. Simon, je désirerais vous parler. Vous ne voyez pas que je suis en rendez-vous? Ce que j'ai à vous dire ne peut pas attendre. J'en ai juste pour une minute, mon général. Que veut dire cette intrusion, mon cher docteur? Le ZB12 était destiné aux insectes. Sauf que nous devons déterminer sa toxicité, docteur. Nous devons nous assurer qu'il n'y a aucune incidence sur l'humain. Voyons, docteur, mes intentions sont tout ce qu'il y a de plus honorable. Alors dites-moi ce que le général Zubino fait ici. Flathead. Escorte le docteur jusqu'à son labo et veille sur lui. Suivez-le. Du retard, Glock? Non, du tout, général. Vous avez 2 jours, pas un de plus. 2 jours avec toute la bonne volonté, mon général. Livrez le gaz, monsieur Glock, ou mon armée utilisera votre hôtel comme cible d'exercice. Allez me chercher, Vipère!
Viper, nous devons nous assurer que le docteur Strobel termine son travail. Rends-toi aux États-Unis. Je suis persuadé que sa délicieuse fille saura le convaincre. Joe, il faut que je te cause. Une minute là-dessus. Je suis un peu occupé, là. C'est beaucoup trop long, une minute. Ça n'attend pas un avion. Et en plus, visiblement, ça n'est pas ton jour. Oh. Alors, Joe, tu peux me garder la maison ce week-end ou pas? Ah, c'est vrai, je l'avais oublié, ça. Oublié? Mais quoi, tu as un problème? Non, aucun problème. Ça marche, vous inquiétez pas. Parfait. Tu m'enlèves une épine du pied. Tiens, voilà les clés. Et au fait, les ordures passent le samedi. Ok, le samedi. Ce gosse-là, qui c'est? C'est mon neveu, Hiro. Ah, les bonsaïs, tu les arroses tous les matins et tu les sors pour qu'ils prennent l'air. Tu m'entends? Oui, j'arrose les bonsaïs et je les sors tous les matins. Et d'où il sort, ce neveu? Mais, en fait, c'est mon petit-neveu et le dernier de la lignée des Todai Ninja. Alors, c'est lui le dernier ninja? Il aurait bien besoin d'un petit coup de pouce. Oh, il excelle dans les jeux vidéo, sinon il aime le football. Mais dis donc, toi tu pourrais être son professeur, que je suis bête. Ah non, Tetsu, vous savez que je n'enseigne plus aux gosses. Ne dis pas ça, Joe. Et ceux-là alors? Quoi? Non, ce sont les élèves de Tadashi. Bon, d'accord, mais pourquoi tu n'essaierais pas une seconde fois? Écoute, mets-le au lit à 9h et le laisse pas trop jouer. Ah non, attendez, Tetsu, venez là. La maison, d'accord, mais pas du babysitting. Écoute, je n'ai trouvé personne. Donnez-le à ses parents. Bien par là. Sa mère est morte durant l'accouchement. Son père s'est fait tuer quelques années plus tard. Et il fait un barrage sur toute son enfance. Il reste dans son univers. Ah, c'est moche. Eh oui. Il paraît que dans sa famille adoptive, ils se battaient tous. Enfin, je suis son tuteur légal. Je suis son seul parent vivant. Oh, vous êtes trop vieux pour élever ce môme. Exact. C'est pour ça que je pars en vacances. Allez, il faut que j'y aille. En avion, ça n'attend pas. Hé, attendez! Où vous allez? À Athènes. Athènes? Oui, Athènes. Oh non! Sayonara, mes chéris. Hé, comment il a fait ça? C'est un secret ninja. Hey, tu me montres? On verra ça un autre jour, peut-être. Je m'appelle Joe. Et alors? Ben, écoute. Voilà. Tu vas m'attendre ici et moi, je vais prendre une douche. Ouais, t'as raison. Hé, hey, Tadashi. D'où il sort, ce gosse? C'est le neveu de Tetsu. Imagine que c'est le dernier de sa lignée. Tu vas me faire pleurer. Tu pourrais lui montrer un peu? D'accord. Merci, vieux. Je pourrais essayer? Je sais pas trop, cette arme est très dangereuse. Ah, oh, ça marche, allez, juste un coup. Sois prudent. Excuse pour tout à l'heure. Ça va, c'est oublié. Elle est chouette, ta caisse. Ah oui? Elle est neuve. Tu me la passes? T'as quel âge, au fait? 12 ans. Ouais. L'enfant de 12 ans pourrait la conduire, remarque. C'est vrai? C'est le top! Non. Tu disais que oui? Je disais non. Eh ben, les conversations avec toi, ça va être vachement facile. Écoute, si tu veux, on peut arrêter de parler. Ok. Ok, d'accord. Et là, où on va? C'est déjà fini? Ouais, c'est plus cool, le bruit. On va à la marina. Quoi faire? Faut que j'aille prendre des trucs sur mon bateau et voir une fille, j'ai des choses à régler.
Tu t'es disputé? Non. Elle est belle? J'ai pas fait attention. Moi, je fais que ça ces derniers temps. Quoi? De regarder les filles. Et pourquoi tu dois la voir, au juste? Si tu veux tout savoir, elle m'a invité à dîner. Et t'y passes la nuit? Quoi? Non, fais pas gaffe. Elle fait quoi à manger? Mais t'es un vrai questionneur ambulant, toi. Normal, quand on est frère. Je t'arrête tout de suite, je suis pas ton frère, petit mec. Prends ton Game Boy. T'habites ici? Ouais. C'est le top. J'ai toujours rêvé de vivre sur Arafio. Peut-être que ton rêve se réalisera un jour. Ah, ça me fout le frisson. Quoi? Ah, c'est beau canon. Regarde discrètement. C'est pas ton genre. Ça sent bon. Ouais, je dirais même plus, c'est le top. Lisa? Par ici, vous avez loupé la porte. Oh. Elle est super canon, cette fille. Ouais, elle est pas mal. T'as vu le rafio d'enfer? C'est un bateau. Et il est comme ça, ton bateau, à toi? Ouais, presque. Sauf qu'il est bleu. Merci d'être venu. Ah, normal. Et quoi, je pensais que t'avais dit que tu ne me... J'ai pas pu faire autrement pour lui. Bonjour, je m'appelle Hiro. Je suis le frère de Joe. Non, ce n'est pas mon frère. Si, un frère éloigné. Ça me fait plaisir de te connaître, Hiro. Tout le plaisir est pour moi. Coupe le circuit. Il est absolument délicieux. Il illumine ma vie. Bah, montez à bord. Viens là, toi. Non. Tu lui as verni tout son bateau. C'était la seule solution pour le rencontrer. J'ai vécu 2 semaines près de lui, mais il n'a jamais fait attention à moi. Je croyais que vous étiez un mec. Un mec? Un super mec, dis. Et maintenant, est-ce que les choses sont claires? Absolument. C'est un festin, hein? Ouais, c'est gentil. C'est gentil à vous. Vous n'avez pas encore goûté à mon dessert. Tu restes là, je vais faire un tour. Où ça? Faut que je cause avec Lisa. Seul, tu comprends? Oh, j'ai saisi. Vas-y, cool. Tu l'as en main? Non, je vais juste l'aider pour le dessert. Lisa? Lisa? Joe! Il y a quelqu'un qui emmène Lisa, vite! Thank you.
J'ai avalé mon chewing-gum. Reste là. C'est dingue. Un bon départ tous les deux. Fais gaffe! Sainte mère de Dieu, ça fait combien de temps que tu conduis? Moi? Juste là, la seule voiture que j'ai conduite, c'était dans mon super Game Boy. La vie, tu vois, c'est pas je rate une partie, je la recommence. Mais peut-être, bah qui sait, hein? Retire tes doigts du volant. Alors, tu me dis? Te dire quoi? Bah ce qu'on fait. J'en sais rien du tout. Et c'est qui ces types qui t'ont embarqué ta nana? J'en sais rien du tout. Tu sais pourquoi tu les suis, au moins? Non. Alors c'est comme si on faisait un jeu de piste. Ouais. Et bah tu vois bien que j'ai raison, la vie peut être un jeu. Mais... Tiens-toi! Hey, dis-moi, tu penses quand on a pour longtemps? Il y en a encore quelques-unes dans les docks, elles sont sûrement prêtes. Je vous téléphone si vous voulez. Ok, merci. Thank you.
Tu voulais me voir? Je croyais que je t'avais demandé d'appeler la police. Ils m'ont dit que j'arrête les séries télé. Oh, t'es en train de faire une boussole. Et alors, on va vers où? Je dirais... sud-est, hein? L'Amérique du Sud. Je parie que t'as vu ça dans le journal de Mickey quand t'étais jeune. Une fois atterri... Il parle. Une fois atterri, je te jette dans le premier vol pour la Floride. Mais t'auras sûrement besoin de moi. J'ai besoin de toi comme d'une jambe de bois. Arrête de me prendre pour un vieux. Il y en a une caisse entière. T'en veux? Tu fais trop de bruit. Rumine en silence. Bienvenue au Venezuela. C'est gentil. T'as une de ces têtes? Ça va, arrête. Je suis venu pour te dire au revoir. Comment, tu t'en vas? J'ai trouvé un vol à un tarif intéressant. Quoi? T'as acheté un billet? Moi, acheter un billet? Tu déconnes? Non, attends, viens par ici. Quoi? Tu peux peut-être rester dans le coin encore un peu, non? Pourquoi? Ben, j'aurais peut-être besoin de ton aide. Attends, j'ai mal entendu, tu peux répéter? Je disais que je pourrais avoir besoin de toi. De moi? C'est le top! Ouais. Quoi? T'aurais besoin de moi? Ouais, juste un peu. En réfléchissant, vaut mieux que je retourne en Floride. Bon. Ok. Ça fait rien. Adieu, Siro. Attends, reviens ici. Je reste à une condition. Laquelle? Tu m'enseignes le ninjutsu. Je n'enseigne pas aux gosses. Pourquoi ça? Écoute... Je rigole plus maintenant. Je veux que tu fonces vite à l'ambassade américaine. Tu leur expliques ce qui se passe. Ok. Quoi encore? Je voulais juste te dire un truc. Vas-y. T'es un type du tonnerre. Allez, fiche le camp. Fais attention. Si vous ne coopérez pas, docteur, les conséquences peuvent s'avérer plus sérieuses. Lisa. Papa! Qu'est-ce que ma fille fait ici, Glock? Dois-je répondre? Vous avez exactement une minute pour reconsidérer votre position, docteur. Tu peux m'expliquer? Je ne suis qu'un idiot. Ils ont abusé de ma crédulité. Écoute, Lisa, je suis arrivé à mettre au point un pesticide très puissant, le ZB12. Il agit en 10 secondes, en ne laissant aucun résidu toxique. C'est fantastique! Non, pas aussi fantastique que je pouvais le croire. À forte concentration, le ZB12 détruit le système nerveux humain.
Et Glock veut que j'en fasse une bombe pour le général Zubino. Il est complètement fou, c'est un maniaque. Crois-moi, ils n'iront pas jusqu'au bout. Quand ils voudront le tester, je vais m'arranger pour que Glock et le général Zubino meurent. Mais tu seras présent aussi. C'est la seule solution. Oh. Non, attendez. Avez-vous trouvé un compromis, cher docteur? Compromis? Interdiction d'entrée. Attends-moi ici. Oui, allô, j'écoute. C'est moi, Alden. Bonjour, ambassadeur. Il n'a pas de passeport, mais il prétend qu'il est citoyen américain. Je suis en train de le vérifier, mais si c'est le cas, il peut nous causer des problèmes. Je vous paie pour que vous trouviez des solutions au problème, monsieur Alden. Oui, je sais. Mais justement, il l'emmène à la prison centrale. En prison, les gens parlent. À qui pourrait-il parler? Je suppose qu'il... Ne supposez rien. Si cet Américain est assez ingénieux pour trouver le chemin de Caracas, je préfère le voir mort. Quelle route prennent-ils? Joe! Hiro! Ne t'inquiète pas, ça va. Viens avec moi. Reste avec l'ambassadeur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'emmènent où, monsieur? Ils l'ont accusé d'espionnage, mon garçon. Joe, un espion? Il n'a rien fait de tout seul. Oui, seulement ils peuvent l'accuser avec rien s'ils le veulent. Oui, mais là, où est-ce qu'il l'emmène? Il faut que tu comprennes que ça ne va pas se faire tout seul. Ça va prendre du temps, tu sais. Où vas-tu? Thank you.
ça te dit? Hiro? Surprise, surprise! Qu'est-ce que tu fais là? Là, je conduis. C'est le top, j'ai le contrôle. Ça va derrière? On fait mieux. Tu pourrais te garer? Tu parles, on a déjà du mal à passer. Arrête tes conneries et laisse-moi conduire. T'inquiète, Joe. Je te réveillerai quand on arrivera. Je mangerai bien un bout. Laisse tomber. Hiro. Ouais? Comment tu fais tout ça? C'est un secret. J'ai compris, ça va. Allez, sors de là, toi. Hé, mais ça va pas, non? Attends, lâche-moi, gros lard. T'entends? Non, mais lâche-moi. Aide-moi plutôt à la voir. Non. Arrêtez, je vous en prie. J'aurais dû cogner plus fort. Joe, oh, t'es encore en vie? Tout juste. Tu sais qui sont ces gars? Ouais, c'est des dingues. T'as vu ce qu'ils m'ont fait? Il y en a un qui se trouvait à l'aéroport avec Lisa. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette nana? Si je le savais. Bon, délivre-moi, mon pote. Je peux pas bouger. Tu m'entends? Il va falloir que t'attendes. Ninja! Oh là là! Ninja! Thank you.
Alors, héros. Qu'est-ce que t'as vu ? Rien. T'es vraiment un caïd. T'as fait ça, hip hop. Allez, hop. Ils ont pas vu le jour. C'est le top, ton truc. Eh, dis, il faut que tu m'apprennes. Tu m'apprendras, dis. Je veux surtout que tu m'apprennes à me servir de ça. On s'en d'accord va. Non. Allez, viens. Oh, remarque, tu dois en avoir un chez toi. Quoi? Quoi? Pourquoi tu glousses comme ça? Pourquoi pas? On sait pas pourquoi on est là. Je suis d'accord. Où on doit aller? Là aussi, je suis d'accord. Pourquoi Lisa a été enlevée? Ouais. Alors? Alors quoi? Alors qu'est-ce qu'il y a de drôle? Bah, il y a peut-être un truc avec son pater, je sais pas, mais... Le père de Lisa? Bah ouais, souviens-toi, elle nous a dit que son père était un... Scientifique? Ouais, ouais, mais c'est ça. Quoi, c'est ça? Bah... Ah, tu sais bien que les scientifiques font chier le monde pour une chose ou pour une autre. Ouais, ouais, mais c'est raccord. Je suis certain que c'est ça. C'est sympa de réfléchir à ma place. Quand tu veux, tu me demandes. Je m'en souviendrai. Allez, hop, à la maison. Non, mais t'as besoin de moi. Écoute, petit mec. Dans les dojos, on m'appelle le serpent ninja. Duo. À moi. Hiro! Rayez de la carte. Rayez de la carte. S'il vous plaît, l'ambassade américaine. Non te comprendo, niño. Maître Tetsu, j'ai échoué. J'ai besoin d'aide, j'ai perdu l'enfant. Maître, faites-moi un signe. Écoutez, regardez. Je vous donne ça. Et vous me dites où se trouve l'ambassade américaine. L'ambassade américaine. Quelqu'un peut me dire où se trouve l'ambassade américaine? Vai, 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 vai.
Voleur. À toi, à moi. Non, mais lâchez-moi, Arnaud. Tu vienes à robar a quien le guida. Entonces tu pagas con tu doigt. Non. Papaya. Aïe. Heureux de vous voir, gars. Ça dans les films, tu sais. Reste pas là. Qu'est-ce que vous me racontez? Ce type un ninja? C'est ridicule. Seul un ninja peut l'avoir, monsieur. Il est bien américain. C'est un ami de la fille du docteur. Et s'il découvre que je suis impliqué dans tout ça, ma carrière est finie, Glock. Écoutez, votre carrière, c'est à moi que vous la devez, monsieur l'ambassadeur. Quant à cet américain... Ce ninja, quand il viendra à votre ambassade, je veux que vous me l'ameniez, compris? Vous me donnez le choix? Non. Et revenez seulement quand vous aurez l'Américain avec vous. Vous me trouverez sur le yacht du général. Alden, ne me décevez pas. Je crains qu'on ne puisse lui faire confiance. Occupez-vous de ce ninja. Allons, allons. Je voulais te dire, Ferro. Tu sais, Joe, quand la prochaine fois tu voudras jouer les Tarzan, regarde au moins où tu sautes. T'as un problème? Moi? Non, j'ai aucun problème. Tu crois encore que la vie est un simple jeu? Ah, un simple jeu? Je n'ai jamais joué à me taper la honte en sautant dans un étalage de poissons pourris. T'as besoin de conseils, de quelque chose de solide. D'avoir près de toi quelqu'un de plus normal. T'as besoin d'aller à l'école. Tu comprends? Ouais, je crois. D'accord. Alors si on sort d'ici vivant, tu fonces tout droit à l'école. Ouais. C'est le top ton idée. J'adore les études. Bien. Mais là, c'est comme si j'étais en vacances. Ah. Tu piges, mon petit frère? Bien. Je voudrais te dire un truc et pas me répéter si tu me suis. Je veux que tu me promettes quelque chose. Bien sûr, tout de suite. Je te jure qu'on sera toujours ensemble. Copains pour la vie, je te le promets, Joe. T'énerve pas, tu veux? Ce que je veux pour toi, c'est qu'il n'y ait plus de folie. Alors mets un frein à tout ça et repars sur de bonnes traces. Comme toi? Ouais, comme moi. D'accord, bah ça promet. Attends, non! Non! Non? Je veux pas que tu sois comme moi. Tu viens de dire le contraire à l'instant. Bah c'était l'inverse. Quoi? C'était une façon de parler, ça arrive, tu comprends? Alors écoute, si tu veux qu'on accorde nos violons, hein? T'aurais intérêt à dire ce que tu penses, et pas penser ce que tu dis. Tu piges, Joe? Je crois. N'empêche que je voulais pas que tu conduises mon 4x4. N'empêche que je l'ai conduit, ton 4x4. Allez, arrête! Bon, admets-le!
Y'en a d'autres ? Il y en a d'autres. J'attendrai notre prochaine rencontre. Où est la fille? Melia. Caribe. Où? Suite présidentielle. T'inquiète pas, allez, c'est fini. T'as dû faire un cauchemar. Réveille-toi maintenant, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été attaqués par des lutins sortis de tes engins spatiaux. Attends. Je me souviens de tout. Joe, j'étais là quand ce type a tué mon père. Je suis un lâche. Non, non, c'est faux. Non, écoute, regarde-moi. Tu fais partie du clan des Todai Ninja. Tu es plus fort et plus courageux que n'importe qui. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Renseigne-moi le ninjutsu. Ça, non. Tu sais, je sais pour ton petit frère. Ah oui? Tetsu m'a dit qu'il avait été tué dans un combat. Mais c'était pas ta faute, Joe. J'étais son sensei. Je suis le seul coupable. Non, mais t'aurais pas pu l'empêcher. Tout comme tu pourras pas m'empêcher. Il faut que je regagne l'honneur de mon père. Et pour ça, j'ai besoin que tu m'aides. Joe, on a besoin l'un de l'autre. Pour de bon. Pour de bon. Pour de bon. Au plus profond de ton âme, tu as toute la puissance de tes ancêtres.
Mais toi seul peux trouver cette puissance dans ton cœur. La neuvième configuration devra t'aider à focaliser ton énergie. Non, regarde. Ouais. Comme ça. Maintenant, tu te concentres. Fais le vide dans ton esprit. Tu ne dois penser qu'au feu qui brûle devant toi. Juste le feu. On se concentre sur le feu qui est devant nous. Tu causes tout le temps, c'est dur de se concentrer. D'accord, je me tais. Tu as pris la bonne décision, Joe. Tu conduis cet enfant sur un chemin où toi seul pouvais le conduire. Mon oncle ? Ton oncle est maintenant maître Tetsu pour toi, Hiro. Hiro, tu portes en toi un fardeau beaucoup trop lourd pour un garçon de ton âge. À présent, le plus important est que tu dépasses les racines de ta peine. Ton père était l'un des plus grands guerriers de ton clan. Souviens-toi. Souviens-toi avant la tragédie qui a assombri ton enfance. Réveille en toi toutes les choses que ton père t'a enseignées lorsque tu étais très jeune et que tu refoules maintenant. Avant même que tu saches marcher, tu apprenais à suivre le chemin des guerriers de l'ombre. Hiro, ton père ne t'a jamais abandonné. Son sang coule toujours dans tes veines. Tu comprends ? Oui, maître. Alors tu as franchi la première étape pour devenir ninja. Joe, tu dois aussi affronter ta peine. Jimmy ? Il a toujours été une partie de ta vie et le sera toujours. Seulement à présent, tu as un nouveau frère. Tu dois l'initier. Enseigne-lui tout ce que tu connais. Toi, Hiro, tu dois promettre d'obéir sans poser de questions. Je le promets. Je suis obligé de te parler de ce samouraï du diable connu sous le nom de Vipère. Il a été banni du Japon pour avoir suivi de mauvais chemins et pour traîtrise. Il sévit maintenant sur le monde. Il est avec une bande de mercenaires et loue toujours ses services aux plus offrants. Il ne doit fidélité à personne. Hiro, sois vaillant guerrier autant que ton père le fut, mais comme lui, ne sous-estime pas le poison qui coule dans Vipère. Et souviens-t'en, ne fais pas la même erreur. Comment il peut faire ça? Lorsque tu deviendras un vrai ninja, tu le sauras. Thank you.
Yawa, mira. Gané yo. Eso rápido, vamos, vamos, vamos. Trabaja. Mira, un ninja chiquito. ¿Qué pasa, chico? No, nada. No. ¿Qué pasa? Va, está en la pacha galería, vale. ¿Qué pasa? Ceinture noire. Ça, c'est au karaté. Nous, on est des ninjas. Bonsaï! Alors, les mecs, ça gaffe? Mal, Joe. Je prends les décisions et toi, tu me suis. Pas de problème, mec. Je veux dire, oui, maître. Allez-y, après vous. Regarde pas ça, ça va te donner le frisson. T'as raison, maître. Votre père a bientôt fini son travail. Et vous vous réjouissez de nous tuer? Non, vous êtes bien trop jolie pour mourir. Désolée, c'était juste un réflexe. J'adore les tigresses. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un essaie de délivrer la fille. T'es américain, toi? Bingo! Oh! Qu'est-ce que vous faites là? C'est une longue histoire. Attention, Joe, derrière! Du calme, bébé! Hiro?
Le seul et unique. Je vous disais que c'était une longue histoire. On y va? Faut sortir de là. T'as envie de te balader? Hein? Alors en route. Oh! C'est moi qui conduis. Dépêchez-vous, allez! À l'ambassade américaine! Ok, señor, con gusto, cómo no, yo lo llevo. Qu'est-ce que cette mascarade signifie, Flathead? L'Américain a enlevé la fille. Qui? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il n'était pas tout seul. Et alors combien ils étaient? Deux en tout. Il était avec un gosse ninja. Monsieur. Un gosse ninja, monsieur. Mais tu te fiches de moi, je suppose. Où t'as sniffé du ZB-12? Je t'écoute. Il n'était pas plus grand que ça. Non, que ça. Mais je vous jure qu'il valait bien 10 mètres. Assez, j'ai assez entendu, l'idiotie. Tu étais chargé de surveiller le docteur Strobel. Alors je veux que tu retournes près de lui maintenant. Compris? Oui. Hein? A découvert un nouveau pesticide. Il cesse de faire effet lorsqu'il est lavé à l'eau. Alors c'est ça, sa trouvaille? Oui, seulement, Joe. À haute concentration, il détruit tout. Ça veut dire? Ça veut dire tout. Glock est de mèche avec le général Zubino. Tous les deux, ils forcent mon père à mettre au point un gaz puissant. Il a dit qu'il essaierait de faire rater l'expérience, mais en essayant de les contrer, il peut mourir. L'ambassadeur est ici? Il va arriver, vous pouvez l'attendre à l'intérieur. Écoutez, vous l'attendez et vous lui demandez qu'il m'envoie du renfort au labo.
Où est-ce? C'est pas la peine, je viens avec vous. Non. Si. Pas de chance, je suis la seule à savoir où c'est. Allez, on perd du temps! Toi, tu restes. J'ai un devoir envers ma famille. Qu'est-ce que tu fais de mon honneur? Tu as déjà oublié le contrat? Quoi? Lequel? Je suis ton maître, rappelle-t'en. Tu dois obéir sans poser de questions. Tu te souviens? Je suis tombée sur le plus dur. Bon, à nous maintenant. Alors, vous progressez, docteur? J'ai concentré le ZB12 en une forme de pilule. On l'enduit de ce composé. Ensuite, on la plonge quelques secondes dans cet acide. Quand l'enveloppe est dissoute... Morgue, alors le gaz se libère. Brillant, docteur, brillant. Cette mallette est dotée d'un mécanisme particulier qui présente la pilule au catalyseur. Poussez le bouton ici. Celui qui l'a déclenché a 5 minutes pour s'échapper. Pourquoi est-ce si long, docteur? Le gaz couvre un rayon très large. Excellent, excellent. Pourrais-je avoir une démonstration? Je ne suis pas encore assez prêt. Je disais que je voulais une démonstration, docteur. Si vous insistez. En effet. Sur vous, docteur Strobel.
Lisa. Lorsque le compte à rebours arrivera à sa fin, le gaz se libérera et il fera son effet. Goodbye, Dr. Strobel. Ce gadget va nous faire devenir riches. Ce soir, nous le remettrons au général. Là, quelqu'un est entré dans le complexe. C'est sûrement l'Américain. Nous devions le prévoir, n'est-ce pas, Vipère? Eh bien, l'œil sur le docteur, Flathead, et cette fois, ne me le fais pas regretter. Ne te laisse pas impressionner. Attention, pour avoir la grosse tête. Voilà donc le petit ninja qui promet. Et vous, vous devez être cet Américain qui m'a causé tant d'embarras jusqu'à présent. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Simon Glock, et vous êtes dans ma propriété. Et la récompense à cette intrusion est la mort. Dépêche-toi, faut sortir de là immédiatement. Alors, on peut plus se passer de moi, hein?
Tu as le choix entre moi et le gaz. Pour être franche, je préfère le gaz. Où est Lisa ? Vos mercenaires ne sont bons à rien, alors occupez-vous-en vous-même. Tuez-les, vous entendez ? Je crois bien que je suis ascendant taureau. Tu envoies un môme faire un travail d'homme. Il vaut 5 vipères. Jamais songé à ce qui pouvait arriver. Crois-tu que tu pourras me pardonner ? Qu'est-ce que tu racontes ? Papa, je t'aime, voyons. Ah, j'aurais été heureux de voir Vipère vous ôter la vie, mais seulement, voyez-vous, j'ai plus important à faire, désolé. Venez avec moi, le général nous attend. Non ! Lequel de vous deux mourra le premier ? Je t'attends. Ça va ? Ouais, ça va. D'accord. Viens, on a encore à faire. Faites de beaux rêves, docteur Strobel. Nous allons faire notre fortune. Ah!
Au nom de nous, n'ouvrez pas cette porte! Vite, les masques! Vite! Sur l'armoire! Tiens! Il y a deux masques et vous êtes trois, messieurs. Bonne chance. Tenez, prenez-le. Tout le monde va bien ? On va laisser les autorités s'en occuper. Donnez-moi le petit chien. Maintenant, sortez de là. Attendez, Hiro, vous l'avez vu ? Tenez. Joe ! Non. Mon père. J'en ai tué beaucoup. Le mien portait ça. Je suis heureux de lâcher mon venin sur toi. Ah ! Ah ! Ah !
rentrons à la maison, petit frère. Tu y es déjà. Quoi aujourd'hui ? Moonwalker. T'apprends à piloter un vaisseau spatial. Je demande la permission de monter à bord. Ouais, c'est toi ? Voyez-vous ça. Sensei, permission accordée. Ha. Venez, heureux de vous revoir. Moi aussi, tout est en ordre ? Oui. Je vous présente Lisa. Mademoiselle. Bonjour, monsieur. Et son père, le docteur Strobel. Heureux de vous connaître. Moi aussi. Et pour lui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Tu veux voir ? Je suis trop vieux pour ces petits jeux. À propos, dorénavant, Joe sera ton maître. Vous verrez ça un autre jour. T'avais rendez-vous avec moi. Je vous en prie. Ouais. Ah oui, pardon, avec plaisir. Voulez-vous un café ? Oui, mais avant que je meure idiot, comment ça fonctionne, ce truc ? Tu vas voir apparaître un vaisseau. Attends, j'allume. Je suis désolée de t'avoir embarqué là-dedans. Mais non, t'as pas à t'excuser. Ce fut un plaisir. Fiche le camp, tu veux ? Je suis très pris. Thank you.